Aujourd'hui, nous allons parler d'intelligence émotionnelle. Aujourd'hui, nous allons parler des émotions. Nous allons introduire une série de vidéos qui va porter sur l'intelligence émotionnelle. Beaucoup de gens ont certainement entendu, peut-être vous avez déjà entendu l'intelligence émotionnelle, c'est quoi? Vous vous êtes posé la question, c'est quoi être intelligent de manière émotionnelle? Alors ici, nous verrons quelques signes qui démontrent qu'une personne a développé un certain niveau d'intelligence émotionnelle. Alors, par définition, c'est quoi l'intelligence émotionnelle? L'intelligence émotionnelle est l'habileté et la capacité que possède un être humain de ressentir, d'exprimer ses émotions et de les interpréter d'une manière plus productive. Je répète, l'intelligence émotionnelle est l'habileté que possède une personne de ressentir, d'exprimer et d'interpréter ses émotions d'une manière plus productive. Voilà. Déjà, il est important de comprendre qu'une personne intelligente, c'est une personne qui a la capacité de contrôler, qui a la capacité de gérer, qui a la capacité de manager. Voilà. Lorsqu'on parle d'intelligence émotionnelle développée, il y a des signes qui démontrent, il y a des signes qui prouvent que quelqu'un a développé son intelligence émotionnelle à un certain niveau. Alors, voici quelques signes d'intelligence émotionnelle. Nous allons là énumérer sept. Premièrement, vous êtes capable d'agir malgré vos émotions et non à cause d'eux, et non à cause d'elles. Vous êtes capable d'agir malgré vos émotions et non à cause d'eux. J'explique, ça veut dire quoi? Lorsqu'une personne a développé son intelligence émotionnelle, cette personne n'agit pas ou n'agit plus à cause de ses émotions. C'est-à-dire, la personne n'attend pas, c'est-à-dire que n'attend pas de se sentir motivé pour agir. La personne n'attend pas de ressentir une émotion pour poser quelque chose. Tu agis plutôt malgré tes émotions, c'est-à-dire tu peux ressentir la colère, mais tu décides de ne pas manifester cette colère. Tu peux ressentir une émotion sans te laisser influencer par elle. C'est ça. C'est ça. Ressentir une émotion, exprimer ton émotion, mais sans te laisser influencer par elle. La deuxième chose, tu es capable d'avoir des conversations, des hot conversations avec d'autres personnes ou avec lesquelles vous ne partagez pas les mêmes opinions. Vous ne vous entendez pas sur les mêmes choses, vous avez des désagréments, sans pourtant haïr ces personnes en fait. L'intelligence émotionnelle, c'est ça, c'est cette capacité que tu peux causer avec des gens. Dans une discussion, vous avez des désagréments, vous avez des points de désaccord, mais tout en restant ami en fait, tout en considérant toujours la personne de la même façon, tu ne laisses pas des contradictions d'opinion briser votre relation. Troisième chose. Tu as compris que les émotions négatives peuvent être saines et utiles. Oui. La psychologie a démontré que ressentir seulement, entre guillemets, le bonheur peut être signe d'une maladie mentale. Il est prouvé scientifiquement que être en bonne santé émotionnelle, c'est être capable de ressentir un spectre large d'émotions. Pour dire quoi? L'intelligence émotionnelle, ce n'est pas seulement avoir la capacité de ressentir des émotions positives. Non. C'est être capable de ressentir, d'exprimer, d'interpréter de manière objective toutes sortes d'émotions, y compris les émotions négatives. Les émotions négatives sont un signal. Toute émotion est un signal. Ça veut dire, quand c'est positif, ça vient signaler quelque chose. Quand c'est négatif, ça vient signaler quelque chose. C'est un peu comme les notifications qui apparaissent sur notre écran de téléphone. Les émotions sont les notifications que notre cerveau envoie à notre corps pour nous signaler quelque chose. En particulier, les émotions négatives viennent nous signaler que quelque chose ne va pas, qu'il faut régler quelque chose. Les émotions négatives fonctionnent comme call to action. Ils sont là pour nous appeler à faire quelque chose pour réparer une situation. Voilà, quatrième chose. Vous avez compris que être inconfortable ou avoir peur ne signifie pas ne rien faire. Beaucoup de gens se laissent emprisonner par leur peur et par leur inconfort. Dès qu'ils veulent se lancer dans des projets, dès qu'ils veulent se lancer dans des choses, ces personnes, dès qu'ils ressentent la peur, dès qu'elles ressentent la peur, elles abandonnent, elles fuient. Non. Une personne qui a une certaine intelligence émotionnelle va comprendre que la peur et l'inconfort sont juste le signal qui indique que je suis à la frontière de quelque chose de nouveau. Je suis en train d'entrer dans quelque chose de nouveau que mon cerveau ne connaît pas encore. L'inconfort et la peur sont des signaux qui viennent te dire que voici même ce que tu dois faire. Voici ce que tu dois faire. C'est l'indifférence et la colère qui sont les émotions qui nous disent que
Bah, je ne dois même pas faire ça. Lorsque tu es indifférent par rapport à quelque chose, ça ne te pousse pas à agir, mais la peur et l'inconfort viennent te signaler que voici ce que tu dois faire. Prochain signe, c'est que vous attendez d'être motivé, inspiré avant d'agir. Vous attendez de vous sentir dans un certain état avant d'agir. Une personne qui a une intelligence émotionnelle très développée va agir malgré ses émotions, va faire ce qu'elle a prévu faire, qu'elle veuille ou pas. Elle ne va pas se laisser emporter par son corps. C'est comme un enfant. Un enfant n'a pas encore une certaine intelligence émotionnelle. Pourquoi? Parce que l'enfant fait tout ce qu'il désire. L'enfant fait tout ce qu'il veut. L'enfant fait tout ce qu'il a envie. Mais une personne qui a une intelligence émotionnelle développée va comprendre, va faire la différence entre mes envies et ce que je dois faire. Va faire la différence entre les priorités et les non-priorités et va agir en étant détaché de comment il se sent, mais de manière plus objective. Un autre signe que vous avez une intelligence émotionnelle développée, c'est que même au milieu d'un vacarme émotionnel, d'une sensation d'être submergé émotionnellement, vous parvenez toujours à raisonner avec votre cerveau et non avec votre cœur. Ce qui démontre une intelligence émotionnelle, c'est la capacité d'une personne à raisonner avec son cerveau, même au milieu des circonstances qui le poussent à réagir émotionnellement. C'est lorsque tu as la capacité d'analyser objectivement la situation et non subjectivement avec tes émotions et que tu réagisses avec ta raison malgré que tes émotions sont en feu et ne cessent de bouillir. Voilà. Un autre signe, c'est que tu as arrêté de juger les autres. Les personnes qui manquent d'intelligence émotionnelle sont les personnes qui jugent beaucoup les autres, qui sont tout le temps en train, que ce soit dans leur tête, que ce soit dans leur conversation avec les autres, en train de juger, en train de juger les autres, juger comment X personne fait sa chose ou Y personne fait sa chose. Non. Quand tu as une certaine intelligence développée, tu appliques ce que la Bible dit, enfin, dit, ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés. Tu comprends, tu apprends plutôt à être compatissant, à te mettre à la place des autres et à réaliser que si ces personnes sont comme elles sont comme aujourd'hui ou elles se comportent comme telles, c'est parce que peut-être elles ont une histoire, c'est peut-être parce qu'elles ont des blessures. Tu cherches plutôt à comprendre et non plus à condamner et non plus à juger. Et le dernier signe que je vais citer ici, c'est que tu es devenu responsable, tu as arrêté de blâmer, tu as arrêté de culpabiliser, tu as arrêté de pointer du doigt, tu as arrêté d'accuser, tu as arrêté de murmurer et tu as pris ta responsabilité. Les personnes qui manquent d'intelligence émotionnelle sont les personnes qui ne refusent d'accepter, de reconnaître leur part de responsabilité dans les difficultés, dans leur vie. Elles sont tout le temps en train d'accuser les autres. C'est de la faute de mon père, c'est de la faute de ma mère, c'est de la faute de mon frère. Si telle personne n'avait pas fait ça, c'est que je ne serais pas comme ça aujourd'hui. C'est que jamais, qu'est-ce que moi j'ai fait par rapport à cette situation? Quelle est ma part de responsabilité? Non. Les personnes qui manquent d'intelligence émotionnelle sont celles qui attendent que les autres leur fassent sentir bien. Ils attendent que les autres les valident avant de se sentir validés. Ils attendent que les autres les estiment avant de se sentir estimés. Ils attendent que les autres leur félicitent avant d'être fiers d'eux-mêmes. Or, une personne qui a l'intelligence développée est une personne qui est autonome émotionnellement. C'est-à-dire, tu produis tes émotions, tu autogénères tes émotions, tu n'attends plus recevoir des autres. Toi-même, tu te les crées, toi-même, tu le procures, toi-même, tu crées ta propre nourriture. Tu n'es plus comme un enfant. Un enfant n'a pas la capacité de concocter sa propre nourriture. Il va attendre cela d'un parent, d'un aîné pour venir faire sa nourriture. Mais quand tu grandis, quand tu deviens adulte, quand tu deviens mature, c'est que tu as la capacité de concocter toi-même et de trouver ta propre subsistance, ta propre nourriture. Donc, au milieu de ces signes que je t'ai donnés, qui ne sont pas exhaustifs, qui continueront peut-être sur mon blog, sur mon site, que je vous invite à regarder, consultez www.josephbrains.com et vous verrez en fait toutes les certains critères concernant l'intelligence émotionnelle. Alors dis-moi en quoi tu te reconnais, dis-moi est-ce que tu manques, est-ce que tu es en train de travailler ou bien tu as déjà ce point.